Nous sommes début août, de fortes pluies arrosent le Vercors depuis plusieurs jours, situation peu réjouissante pour le touriste. Ces escargots passent sûrement autrement. Un autre personnage heureux de cette situation, le ramasseur de champignons. On découvre sous les sapins de nombreuses variétés. Une confusion peut se produire, mais très vite l'erreur est découverte, la recherche peut alors recommencer. Sous ces forêts de conifères pousse une variété bien particulière de champignons. Il s'agit du Lactaire deterimus, qui signifie lactaire moins bon. Il est aussi appelé Lactaire de l'épicéa. Il s'agit d'un champignon orange verdissant avec l'âge. Il sécrète un lait orangé et pousse principalement sous les épicéas. Il est parfois confondu avec le Lactaire délicieux, lequel pousse principalement sous les pins. Ce dernier est l'un des champignons préférés des Provençaux. Le Lactaire de l'épicéa est bien moins prisé car sa chair est légèrement amère. C'est en 1968 que l'espèce est définie comme telle par le mycologue allemand Freider Gauger. Ce dernier lui donne le nom de Lactaire deterimus, lactaire moins bon en latin. Son nom normalisé sera en français Lactaire de l'épicéa en France et Lactaire des épinettes au Québec. Malgré cette appellation, le champignon est comestible. Les Provençaux le confondent souvent, et cela a été mon cas, avec le Lactaire délicieux, lequel pousse à l'automne sous les pins. Le Lactaire de l'épicéa n'est pas très ramassé par les montagnards à cause de sa faible valeur culinaire. Sa chair est légèrement amère, ce qui fait le bonheur des touristes provençaux. On les trouve souvent bien cachés sous les nombreuses fougères, mais leur couleur orangée les trahit la plupart du temps. Varrois d'origine, je ne peux m'empêcher de venir posséder à la cueillette de ce champignon mythique avec mon petit-fils Nicolas. Nous en avons récolté quelques kilos. Nous les avons savourés de plusieurs manières. La plus simple, au barbecue, accompagnée d'huile d'olive et d'herbes de Provence. Mon épouse, excellente cuisinière, les a préparés un jour à la poêle avec de l'ail et du persil. Une recette simple et facile à préparer. Un autre jour, elle les a cuisinés avec saucisses, tomates, oignons et que sais-je encore. J'espère que ces quelques informations vous permettront de ne pas confondre Lactaire deterimus et Lactaire délicieux.